Raymond Aron disait qu'en politique, le choix n'est pas entre le bien et le mal, mais entre le préférable et le détestable. S'appuyant sur cette maxime, elle affirme pour sa part qu'être ferme sur les principes et ouverte au dialogue est pour elle l'équilibre idéal à tenir. On l'aura compris, notre invitée occupe une place autant stratégique que délicate à tenir au sein du paysage politique français. Force de caractère, ténacité et sourire ne sont pas de trop pour se faire entendre. Elle est la première occupante du poste de secrétaire d'État aux affaires étrangères et aux droits de l'homme. Ramayat, bonjour. Bonjour. J'ai tenu à commencer avec cette phrase d'Aron que vous citez dans un livre que vous sortez au Seuil. Ramayat, des droits de l'homme expliqués aux enfants de 7 à 77 ans. Je fais bien partie de la cible visée. cette phrase d'Aron, elle vous sert un peu de, entre guillemets, de devise politique? Oui. C'est important, quand on est en charge des droits de l'homme, de pouvoir être ferme sur les principes. Et quand il s'agit d'appliquer, d'être un peu malin. Parce qu'au fond, moi je me heurte à quoi en permanence? À la réelle politique, à la souveraineté des États, qui invoquent les affaires intérieures pour empêcher les droits de l'homme d'avoir leur place. Et face à ce mur, eh bien, il faut toujours être en capacité d'être souple. Par exemple, des fois, il faut être discret. Alors, j'accepte la discrétion si je veux être efficace. D'autres fois, il vaut mieux élever la voix, parce que la parole, c'est important. La parole, c'est aussi une arme. Et je trouve que la formule de Aron qui dit le choix n'est pas entre le bien et le mal, mais entre le préférable et le détestable. C'est très juste, parce qu'au fond, cela montre que les droits de l'homme, c'est de la morale, mais ce n'est pas que de la morale, ça va au-delà de la morale. C'est aussi du droit. C'est aussi du réalisme, quelque part. Il y a un supplément d'âme dans le poste que vous avez. En tout cas, c'est ce qu'on en perçoit en lisant ce livre très instructif sur les droits de l'homme, sur l'histoire des droits de l'homme, mais aussi sur votre poste. Mm-hmm. Et on sent bien qu'il y a un supplément d'âme par rapport à n'importe quel autre poste. Vous le vivez comme ça? C'est un ministère qui est exaltant parce que je porte, à travers l'honneur qui m'a été fait de me confier cette mission, je porte au fond ce qu'il y a de plus cher dans l'identité française. Mm. C'est ce qu'il y a de plus précieux. Moi, je considère en tout cas les choses ainsi. Vous savez, en 1789, quand les Français disent que les hommes naissent libres, égaux, en droit, c'est une formule inouïe. On ne l'a jamais entendue avant eux. Mais les Français ne sont pas les premiers à parler des droits de l'homme. Ce n'est pas les premiers. Il y a eu les Anglais avec la pétition des droits au XVIIe siècle. Vous avez aussi les Américains avec la Révolution américaine de 1776. Mais eux, aussi bien les Anglais que les Anglo-Saxons, ont plaidé pour l'égalité des droits entre les Anglais pour les uns, entre les Américains pour les autres. Les Français sont les premiers à dire, à invoquer les droits de l'homme pour l'homme universel, français ou non. Et ça, c'était une révolution mondiale. La formule selon laquelle les hommes naissent libres et égaux en droit était révolutionnaire. Aujourd'hui encore, c'est une provocation pour bien des États, pour bien des certaines communautés. Et nous portons cet héritage. Nous devons en être fiers, parce que cela nous donne une responsabilité vis-à-vis du monde. Général de Gaulle l'avait très bien dit quand il expliquait qu'il y a un pacte 20 fois séculaire qui lie la grandeur de la France à la liberté du monde. Eh bien, cet héritage-là, il est ultra précieux et c'est ce qui fait la spécificité de la France. Mais ce qui est paradoxal, c'est que finalement, c'est peut-être un peu les Français les moins occurrents. Vous qui voyagez, on vous rappelle toujours la France, pays des droits de l'homme. Et on a l'impression que c'est les Français qui l'oublient. C'est vrai que quand on est en France, on considère que oui, cela va de soi. Mais en même temps, il n'est pas besoin vraiment de porter ces combats aussi loin, aussi fort. Mais à l'extérieur de nos frontières, on attend beaucoup de nous. Moi, je ne rencontre pas une ONG étrangère, un ministre étranger, un défenseur des droits de l'homme qui n'invoque pas cette formule incroyable qui est que la France est le pays des droits de l'homme. Alors évidemment, nous savons que nous ne sommes pas exemplaires, nous savons que nous ne sommes pas irréprochables. La situation de nos prisons, de certains centres de rétention est difficilement supportable. Mais justement, il faut que nous le reconnaissions. Parce que le génie des démocraties, c'est de reconnaître leur perfectibilité. On ne cache pas l'information. Il faut faire des efforts pour corriger cela. Et je crois que cette notion de droits de l'homme
et d'une importance capitale dans le rang de la France. Et je crois que nous devons tous nous approprier cela. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre, pour faire une œuvre de pédagogie. Parce que la pédagogie, c'est nécessaire quand l'action politique va tellement vite, il faut pouvoir expliquer ce qu'on fait. Et je l'ai écrit pour rappeler ces évidences pour autrui, mais qui doivent continuer à l'être pour nous. Il y a un côté Zorro, finalement, dans votre fonction, qui consiste à aller dans des pays sensibles pour essayer de parler d'un sujet sensible. Les droits de l'homme, il y a un côté sauveur du monde, comme ça. Ça fait beaucoup pour jeunes épaules. Déjà, il faut arriver à y aller. Oui, d'accord. La première question, c'est de dire, c'est toi qui n'es pas allé en Chine avec le président? Oui, jeune homme. Donc, vous déjà arrivez à y aller. Alors, après, parce que... Évidemment. Parce que la Chine, il y a la Birmanie, il y a tout un tas d'autres pays. C'est gênant. Il y a des États qui ne veulent pas de la secrétaire d'État française aux droits de l'homme, parce que c'est une bombe à tout seul. Française, droits de l'homme, c'est beaucoup pour certains États. Et donc, il faut arriver à y aller. Pour la Birmanie, moi, j'avais souhaité y aller. Pendant longtemps, ce n'était pas possible. C'est un pays qui est dirigé par une junte militaire. Bon. Ensuite, quand vous y êtes... Il faut faire très attention. À qui on rencontre ou à qui on ne rencontre pas. Voilà, à qui on serre la main. C'est ce fameux « à qui vais-je serrer la main ?» Mais alors, il faut serrer la main des gens. Mais c'est, l'important, c'est quoi? C'est qu'est-ce que vous êtes autorisé, entre guillemets, à voir ou à ne pas voir. Parce qu'à un moment donné, concernant la Birmanie, j'ai eu un visa pour aller en Birmanie, que la junte birmane a fini par m'accorder. Mais pourquoi je n'y suis pas allé finalement? Parce que j'ai décidé, par moi-même, de ne pas le faire. La visite qu'on me proposait était une visite Potemkin, c'est-à-dire... aller en Birmanie, sous la surveillance du ministre de l'Intérieur, qui allait me suivre partout où j'allais aller, et qui allait me faire faire une visite Potemkin, c'est-à-dire me faire voir ce qu'il avait envie de me faire voir. Quelque chose de très touristique. Et je n'avais pas envie d'être instrumentalisé. Par ailleurs, vous pouvez être sur place, et puis ensuite, n'avoir rien à dire. Si j'avais accompagné le président en Chine, il y a beaucoup de discussions là-dessus, elle n'est pas allée en Chine avec le président, c'est pas normal. Mais ce qui est gênant, c'est d'y être et de pouvoir rien dire. Et le problème, c'est que dans le déplacement étranger, c'est la parole du président qui compte. Exactement. Donc vous êtes, tous les membres du gouvernement qui accompagnaient sont tout de suite plus restreints dans votre action. Nous, on n'a pas d'expression publique, parce qu'on ne va pas se mettre à... Il y a une voix, c'est important. Il ne faut pas brouiller les pistes. On ne va pas brouiller les pistes. Donc nous, on a nos entretiens spécifiques sur nos sujets, et le président, et lui, est le porte-parole de la France. Donc si j'avais été en Chine, qu'est-ce qui serait passé? J'aurais sans doute eu quelques entretiens avec des associations dûment choisies par la Chine. Mais... j'aurais pas été en capacité de dire quoi que ce soit et on me l'aurait reproché en me disant pourquoi elle a rien dit. On m'aurait posé la question à moi, on ne l'aurait pas posé à Christine Lagarde par exemple, qui pourtant aurait été dans la même situation que moi. Mais elle est ministre de l'économie et donc l'attente sur la question des droits de l'homme est plus axée sur moi. Et au fond, je préfère être à Paris, dire ce que j'ai à dire, plutôt que d'aller là-bas et puis de ne pouvoir rien faire, rien dire, et d'être complètement pot de fleurs. Dire ce que vous avez à dire, on l'a déjà souvent entendu, parce que vous n'êtes pas du style à mettre votre langue dans votre poche, c'est ce qui plaît beaucoup aux Français, d'ailleurs, ce qui fait que vous avez de popularité quand même assez importante, et que vous plaisez aux Français, c'est le côté, elle est jeune, elle prend très bien la lumière, et en plus, elle rentre dans l'art... voilà quoi, des plus anciens et elle en fait, dit quoi. Rentrer on se souvient tous de Kadhafi quand même. Oui, rentrer dans l'art, c'est au fond, c'est pas rentrer dans l'art pour rentrer dans l'art. Il y a des raisons précises et des convictions qui portent l'indignation. Je crois qu'il faut garder sa capacité d'indignation. Moi, je suis engagée en politique, qui est un milieu très violent. On prend beaucoup de coups et on est tenté de se blinder pour ne plus rien ressentir parce que c'est violent. Mais c'est pas dangereux de se blinder en même temps? Justement. Surtout à votre poste à vous. Justement. Oui. Pour moi, il est important de savoir faire la part des choses. Me blinder face à la violence politique et en même temps préserver cette part de moi ouverte aux sentiments, ouverte à la sensibilité. Et donc pour préserver cette capacité à aimer, à aller vers l'autre et à s'indigner. Oui, mais vous faites taper sur les doigts quand vous allez soutenir les squatteurs d'Aubervilliers. Le Premier ministre vous tape sur les doigts. Quand vous râlez contre Kadhafi, on a fait des gorges chaudes pendant des semaines. Oui, mais bon, c'est la vie. Kadhafi, ce qui vous a énervé, c'est que c'est tombé pile le 10 décembre. Il faut quand même dire que le 10 décembre, pour vous, c'est une date très particulière. C'était trois jours avant votre anniversaire, c'est pas ça. C'était la journée des droits de l'homme. Et puis, c'est vrai que le chef d'État libyen avait pris des engagements en matière de droits de l'homme, en fait, quand on est allé voir en Libye avec le président. Et moi, j'ai,
j'ai donné le bénéfice du doute. Je me dis, bon, bah, on a là un chef d'État qui veut que son pays revienne dans le Conseil des Nations. Il a libéré les infirmières bulgares. Très bien, soit j'en prends acte, et pourquoi pas. Donc je n'étais pas opposée à la visite du chef d'État libyen en France. Simplement, à la veille de son arrivée, il a eu un propos qui n'était pas en concordance avec ses engagements initiaux, en disant que le terrorisme pouvait se justifier comme arme des faibles. Et ça vous a énervé. Et dire ça le jour, la veille de la journée des droits de l'homme, je me suis dit, il faut quand même qu'on rappelle que ce n'est pas un quitus cette visite et que il y a des considérations à prendre en compte du côté du régime libyen. La question des prisonniers politiques, la question de la liberté de la presse, la question de la liberté d'association, la question de la torture, enfin il y a beaucoup de sujets comme ça qu'il me semblait impossible de passer sous silence pour moi qui suis secrétaire d'État aux droits de l'homme le jour des droits de l'homme. Si je n'avais rien fait, je ne servais à rien. Mais le jour où vous vous êtes dit bon, allez ma grande, vas-y, monte au créneau, réagis, vous saviez que vous alliez vous faire taper sur les doigts et malgré tout... Vous y allez non. Parce que c'est au-delà. Non, vous ne saviez pas. Non, je me suis dit, je fais mon travail. Bon, secrétaire aux droits de l'homme, c'est la journée des droits de l'homme. Il y a Colonel Kadhafi qui vient à Paris. Bah, que fait la secrétaire aux droits de l'homme si ce n'est d'exprimer la voix des droits de l'homme? Ça me semblait totalement naturel. Avec le choc de la formule, quand même. Hein. Oui, j'ai été formée à l'art des mots par ma mère qui était prof. Et donc, j'ai toujours eu le goût de. Oui, des mots. Parce que. Associer le paillasson à Kadhafi et à la France, il y a. Une triangulation. Écoutez, comme ça. J'ai une grande idée de la France, pardon, mais j'ai une grande idée de mon pays. Mon pays a un rang. Mon pays, ce n'est pas n'importe quel pays. Mon pays porte des valeurs, il porte un message. Il a une histoire à tenir et être à la hauteur de ça. Mon pays est attendu sur le terrain des droits de l'homme. Et moi, j'ai envie que cela soit préservé. C'est indispensable. C'est notre crédibilité qui est en jeu. Nous ne sommes pas seulement la cinquième puissance mondiale. Nous ne sommes pas seulement une puissance économique, nous sommes un peu plus que ça. Pourquoi, si nous n'étions qu'une puissance économique, serions-nous au Conseil de sécurité des Nations Unies comme membre permanent? C'est bien qu'il y a quelque chose en plus. Et ce quelque chose en plus, c'est quoi? Oui, c'est la Révolution française. Oui, c'est la Révolution de 1848. Oui, c'est le général de Gaulle. Oui, c'est Victor Hugo. Oui, c'est Robert Badinter. C'est tout ça qui font que nous sommes la France et que nous avons un rôle particulier quand il s'agit des droits de l'homme. Et moi, cette conviction-là, je porte ça au fond des tripes. Et surtout que je viens d'ailleurs. Et quand on vient d'ailleurs, c'est ça qui plaît, c'est ça qui brille en France. Et donc j'ai cette conviction qui est très forte parce que c'est une conviction collective. Et au fond, moi, j'ai pas le droit de brader ça en me taisant quand il y a un problème comme celui que vous citiez tout à l'heure. Quand on vous a choisi pour occuper ce poste, ce secrétaire d'État aux affaires étrangères, on oublie souvent d'ailleurs cette partie du titre. Hein. Oui, qui occupe pourtant une bonne partie de mon activité quotidienne. Et ouais. Qui ne se voit pas forcément, mais qui fait partie du job. Qui se manifeste comment, par exemple? Parce qu'aux droits de l'homme, on a une idée très précise, parce que c'est ça dont on parle dans les journaux. Les affaires étrangères, c'est exactement comme ce que fait le ministre des Affaires étrangères, mais sauf qu'on se partage le travail. C'est beaucoup de représentations, c'est porter des textes, des conventions juridiques sur différents domaines. C'est aussi, parce que ça, j'ai voulu développer ce sujet, c'est aussi l'adoption internationale, la réforme, qui était dans les limbes depuis plusieurs années. Et j'ai trouvé que c'était injuste qu'un sujet aussi intéressant ne soit pas traité sur le terrain politique. Et il y avait des gens au Quai d'Orsay, des fonctionnaires qui faisaient le travail, mais sans visibilité politique. Mmh. Je me suis dit, on va porter ce sujet. On va porter ce sujet parce que moi, j'en ai assez d'aller à l'étranger, de me retrouver à l'ambassade de France et de tomber toujours nez à nez sur des familles françaises qui tiennent dans leurs mains les photos jaunies de petits-enfants dont on leur a dit qu'ils vont pouvoir les adopter dans peu de temps et que rien ne se passe, et qu'à chaque fois je suis obligée de faire le pompier pour essayer de débloquer la situation, c'est terrible, et qu'il fallait donc une réforme d'ensemble. Et le président de la République a alors proposé à Jean-Marie Colombani de faire un rapport pour proposer des réformes donc sur le sujet. Vous parler dans cette émission. Exactement. Et donc on a travaillé main dans la main pour porter cette réforme. Et depuis le mois d'août où on l'a lancée, l'adoption internationale a augmenté de 3%, alors qu'elle avait baissé de 20% ces deux dernières années. Et donc, on va continuer à être ambitieux sur cette question, pour aider les familles françaises. Mais je trouve que c'est un sujet capital et essentiel. C'est la face humaine du Quai d'Orsay. Parce qu'on est dans le contact avec les familles qui sont très sensibles et qu'il faut aider, on ne peut pas les laisser tomber. À l'heure où nous enregistrons cette émission, Bernard Kouchner a
pas mal d'heures en nuit avec un certain monsieur Péan. Est-ce que vous, ça vous donne plus de boulot au ministère de fait parce qu'il a moins de temps pour s'en occuper? Non, en ce moment même, il est avec le président de la République en tournée au Koweït et dans la région. Donc, non, il est assidu et c'est un bon ministre. Mais vous disiez, c'est un bon exemple, vous aviez eu des mots avec lui. Lui, aujourd'hui, a des problèmes avec un journaliste qui l'accuse de certaines choses. Vous disiez que ce monde politique est dur. J'ai jamais eu de mots avec Bernard Kouchner. Mmh. Hein, jamais. Au contraire, j'ai toujours fait état de mon plus grand respect pour lui et du plaisir que j'ai à travailler avec lui. Non, il avait le 10 décembre, encore un autre 10 décembre, mais 10 décembre sont toujours problématiques. Méfiez-vous pour le prochain, il est encore voilà, là. Mais... Exactement. Bon, donc cette fois, c'était plus le 10 décembre 2007, mais 2008. C'est vrai qu'il y a eu un. Il a parlé du secrétaire d'État aux droits de l'homme en expliquant que, effectivement, c'était en conflit avec la réelle politique et que ça gênait. Sauf qu'on n'en tirait pas la même conclusion. Lui, il estimait donc du coup qu'il fallait supprimer ça. Moi, je dis non, il faut se battre. Expliquez-nous ce que c'est que la réelle politique. C'est peut-être pas un terme qui parle forcément à tout le monde. C'est un gros mot. c'est pour ça. C'est un gros mot qui veut dire réalisme, en fait, en allemand. Une politique réaliste, c'est quand une politique étrangère est guidée par des impératifs économiques et cyniques, en fait. C'est un terme qui a été inventé par Bismarck. Mais il faut remonter plus loin, en fait, avec Machiavel, le prince de Machiavel, qui avait développé idéologiquement ce concept. Et oui, c'est le fait de guider la politique étrangère par des impératifs uniquement cyniques et commerciaux. Il ne faut pas s'embarrasser de morale, de religion, de rien du tout, parce que ça gêne, justement. Et donc, c'est les contrats commerciaux, en gros. Hein. Alors, moi, je pense que c'est vrai qu'il y a des tiraillements. C'est vrai que... Quand le colonel Kadhafi vient à Paris pour signer des contrats commerciaux, alors qu'il y a tant de problèmes de droits de l'homme qui doivent être abordés avec lui, oui, il y a un problème. Ça vous tiraille, quoi, parce que vous comprenez les enjeux de la France politique et économique, et puis vous comprenez aussi surtout les enjeux du ministère que vous défendez. Exactement. Moi, je ne suis pas irresponsable et je ne suis pas non plus naïve. Je sais que la France a des intérêts à défendre, parce qu'on est une puissance, il faut bien qu'on le reste. Mmh. Pour le rester, il faut que nous défendions nos intérêts économiques et politiques et que donc nous signions des contrats commerciaux. Et nous avons besoin d'acheter du gaz aux Russes, nous avons besoin d'acheter du pétrole à l'Arabie Saoudite et de signer des contrats commerciaux avec la Chine. Et ce n'est pas parce que nous ne signerions pas de contrats commerciaux avec la Chine que les droits de l'homme s'en porteraient mieux en Chine. Donc j'ai totalement conscience de ça. Mais en même temps, ce n'est pas pour autant qu'il faut laisser tomber les droits de l'homme. Voilà. Parce que je vous l'ai expliqué, nous avons un rang à tenir, parce qu'il y a des malheureux qui demandent notre aide, il y a des victimes qui souffrent, et on ne peut pas fermer les yeux là-dessus. C'est difficile, et bien il faut se battre. Voilà. J'essaie de me battre. Il y a une phrase absolument délicieuse dans ce livre, je vous la lis. « Ma fonction, les droits de l'homme, a un charme que n'a aucun autre ministère, celui de la transgression. » Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer, cette phrase? Parce que défendre les droits de l'homme, c'est être en capacité aussi de transgresser de temps en temps. C'est-à-dire de franchir certaines lignes, de sortir d'une certaine discipline, peut-être sortir de la réelle politique aussi. C'est-à-dire prendre un taxi clandestin pour aller voir des choses qu'on ne veut pas que vous voyez dans certains pays. Oui, c'est-à-dire que quand je vais au Darfour et que les autorités soudanaises me disent « Bon, vous n'allez pas voir les réfugiés du Darfour », moi, je leur dis, je suis venu là pour voir les réfugiés du Darfour, parce que c'est la France qui a porté aux Nations Unies le qualificatif de crime contre l'humanité et de crime de guerre. Et moi, je ne peux pas venir au Soudan et me contenter de danser au son du tam-tam. Je suis là pour voir, parce que c'était ça. Que vous faites sans doute très bien, par ailleurs. Il y avait une fête, ils avaient fait une fête. Bon, ouais. C'était sans doute pour une manière de bien m'accueillir, certainement, mais ce n'était pas le moment, quoi. On était quand même au Darfour. Et donc, oui, il faut prendre un taxi clandestin, mettre un journaliste dans le coffre et puis, aller jusqu'au camp de réfugiés. Bon, on n'est pas fou non plus, c'est-à-dire qu'on s'était assuré quand même que les moyens de sécurité étaient certains, mais oui, c'est ça la transgression. La transgression ne veut pas dire non plus l'irresponsabilité. Attention, je fais bien la part des choses. À aucun moment dans tout ce que j'ai pu faire dans cette fonction, je n'ai mis en cause les intérêts de la France. Et c'est quelqu'un qui a dit ça, ce n'est pas moi, c'est Édouard Balladur. Ce qui m'a beaucoup touché, parce que ça veut dire qu'il a compris que j'ai pu flirter avec la ligne rouge, mais toujours avec l'idée de ne jamais mettre en danger les intérêts de la France. Mais c'est dans votre caractère, à vous, personnellement, la transgression? Vous ressemble un petit peu, quand même. Je suis quelqu'un de très sage. simplement, la fonction
n'implique pas la sagesse. La fonction implique une certaine forme de capacité d'indignation face à l'injustice. La sagesse, c'est peut-être de s'indigner aussi. Et effectivement, parce que je n'ai pas envie que dans 10 ans, dans 20 ans, mes enfants me disent « qu'as-tu fait à l'époque ?» Et aujourd'hui, il y a un conflit dont on ne parle pas assez, qui est celui des Kivus en RDC, en République démocratique du Congo. 300 000 femmes ont été violées depuis 2003. Et je trouve le silence de la communauté internationale assourdissant. J'ai été 2 fois en quelques mois là-bas. Je n'ai jamais rien vu de pire. Et je trouve que si on voulait régler ce problème-là, demain, on pourrait le faire. Mais c'est compliqué, il y a des obstacles, il y a des enjeux. Bon, la situation se retourne légèrement puisque les pays limitrophes se rapprochent pour essayer de trouver une solution. Mais ça dure depuis 15 ans quand même, depuis 15 ans. Et il y a des choses là-bas qui se passent, qui sont insupportables et qui blessent l'âme humaine. Moi, je n'ai jamais rien vu de pire, rien de pire. Et je crois qu'on devrait aussi être en capacité de se pencher sur ces choses-là. Moi, j'arrête pas d'en parler, mais la mobilisation doit être plus politique. Pourquoi on est venu vous chercher, vous, pour occuper ce poste-là, Ramayad ? Est-ce que vous en avez une idée ? Parce que vous n'aviez pas d'expérience particulière en ONG ou dans les droits de l'homme. Donc vous avez découvert le poste au fur et à mesure. Vous avez fait avec ce que vous êtes. Oui. Pourquoi vous ? Il faut demander au président de la République et au Premier ministre. Ce sont eux qui ont décidé. Mais vous n'en avez pas une petite idée ? Enfin, est-ce qu'ils sont venus vous chercher parce que vous êtes un exemple aussi d'intégration réussie, mais qui a connu ses difficultés ? Est-ce que... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Au début, on était sur une ligne très affaires étrangères, uniquement affaires étrangères. Ah oui. Et puis, le président de la République a souhaité qu'on y associe les droits de l'homme. Et au fond, c'était logique parce que c'était en conformité avec les engagements de campagne très importants qu'il avait pris pendant la campagne électorale présidentielle. Donc, je trouve que, bon, voilà, il voulait mettre en pratique ses paroles avec ses actes. Et donc, voilà, moi, c'est ce qui me porte aussi. Je me dis, il a fixé des objectifs très élevés en matière de droits de l'homme. Et donc, il faut que je tienne ça, cette ambition. Vous nous avez dit tout à l'heure, très rapidement, venir d'ailleurs. Ailleurs, c'est le Sénégal, c'est Dakar. Oui. Vous avez donc une sorte de double culture, française, sénégalaise. Qu'est-ce qui reste de sénégalais en vous, en termes d'esprit, de culture ? Ce qui reste de sénégalais en moi, je crois que c'est la vie. Vous savez, cette fin de vie. Je relativise souvent les choses. Par exemple, quand j'ai des problèmes en politique, c'est pas de la désinvolture, mais je me dis, bon, il y a pire, quoi. Vous arrivez à mettre de la distance. Oui, je me dis, tout le monde m'appelle en me disant, franchement, ça va pas, il y a des problèmes, tiens bon, c'est difficile. Je me dis, bah non, je suis pas malade, écoutez, il y a des situations. Et peut-être aussi parce que j'ai vu tellement de choses au cours de mes nombreux déplacements ces 18 derniers mois, et notamment des choses vraiment très horrible. Difficile, très ouais. horrible, ouais. que je relativise. Et les Sénégalais sont des gens qui relativisent beaucoup et qui, malgré leurs difficultés quotidiennes, vivent la vie à pleines dents. Y a un proverbe africain qui dit « Crie ta joie d'être en vie, tu n'entendras plus les cris des autres ». C'est exactement ça. Mmh. C'est-à-dire que il y a aussi une... Je pense que l'âge joue aussi. C'est-à-dire que je relativise parce que je me dis, bon, j'ai 32 ans. Bon, si jamais demain je fais plus de politique, et alors, c'est pas grave, j'irai faire autre chose. J'ai une page blanche devant moi, je peux l'écrire, il n'y a pas besoin que je m'accroche, etc. Il faut juste que je me batte. Donc ça, je crois que c'est très sénégalais, oui. C'est ce qui reste. Puis j'ai aussi l'éducation qui n'est pas forcément sénégalaise, mais qui est celle de ma famille et qui... C'est une éducation assez intellectuelle quand même. Oui, quand même, oui. Ouais, parce que j'avais une mère qui était professeure et qui m'a appris, qui m'a donné les fondements. Mais un papa aussi qui était professeur d'histoire ? Non, ma mère était professeure d'histoire et ma mère était... ma mère était professeure d'histoire et mon père était... Diplomate travaillait auprès de Senghor, de Léopold Senghor. Et ils m'ont donné des bases identitaires fortes. Quelles sont les 2-3 lignes de force comme ça qu'ils ont pu vous donner en termes d'éducation ? C'est sur quoi vous vous appuyez encore aujourd'hui ?
En termes de valeur ou de... L'honnêteté et la sincérité, c'est important. Ça me coûte des fois. Mais... L'honnêteté et la sincérité en politique, je ne sais pas si vous êtes très bien parti là. Regardez ce que j'essaie de faire depuis le début. Mmh. Et évidemment, ça crée des polémiques, évidemment, ça crée des fâcheries, mais pourtant, voilà, j'essaie de l'être. Parce que j'ai besoin d'être en phase avec moi-même, hein, sinon ce n'est pas intéressant. Enfin, je n'ai pas envie. Fin... Sinon, ça vous mine quand vous jouez un rôle, vous comprenez? Vous ne reconnaissez pas et vous n'êtes pas bien dans vos baskets. Donc moi, j'ai besoin d'être bien dans mes baskets. Donc tant que je pourrais, j'essaierai d'être sincère et honnête. En fait. Et puis il y a peut-être des gens autour de vous qui sont là pour vous... Pour éventuellement guetter des petits débordements. Oui, mais après, il faut faire les choses dans un certain ordre et avec une certaine méthode. C'est pas de la spontanéité. Il y a une grosse réflexion derrière tout ça. Donc il faut être assez politique. Et je peux être politicienne quand je veux, vous savez. Mais je pense que l'honnêteté, c'est quand même important. Le refus de l'humiliation, c'est absolument décisif. D'accord. Parce que vous pouvez avoir faim, vous pouvez avoir soif, vous pouvez être dans le dénuement le plus total. Et bien, s'il doit rester quelque chose, c'est la dignité. Parce que la dignité de l'homme, c'est ce qui reste quand il n'y a plus rien. Et je pense que quand on est en prison, quand on n'a plus d'argent, quand on est au RMI, quand on est au chômage, il faut qu'il reste la dignité humaine. Ça, c'est, pour moi, je ne transige pas là-dessus. Et je crois que ça colle avec les droits de l'homme, en fait. La dignité humaine. Vos parents vous ont donné un prénom. Nous, on ne connaît que Rama, mais le prénom en entier, c'est Rama Toulaye. Oui. Vous l'avez un peu diminué. Ça a une signification, Rama Toulaye ? Ça veut dire par la grâce ou la miséricorde de Dieu. C'est plutôt... Ah, tout un programme quand même. Tout un programme. C'est plutôt... C'est un mot arabe. Mm. Ouais. Vous avez été élevé dans la culture musulmane. Oui. Qu'est-ce qui en reste aujourd'hui ? Est-ce que c'est quelque chose de très présent chez vous, ce rapport à Dieu, ou pas vraiment ? Oui, bien sûr. J'ai la foi. C'est drôle parce que c'est tellement intime et j'ai tellement intégré l'idée qu'on est en terre de laïcité qu'il ne faut pas parler de ces choses-là que j'hésite. Ça vous gêne d'en parler? J'hésite. On est sur une chaîne confessionnelle catholique. Oui, je sais, mais enfin, quand même, on est tout de même en France et tout le monde le voit. Oui, parce que je suis membre d'un gouvernement français et au fond, je me dis toujours que... Je ne veux pas qu'après, mes attitudes, mes réactions soient interprétées à l'aune de ce que je peux vous dire là-dessus. Mmh. Mais ça ne me gêne pas personnellement, parce que bon, ça fait partie de moi. Oui. Je pense que j'ai besoin de ça, de me dire qu'il y a une protection quelque part qui veille. Et ça aide? Ça me rassure. Oui. Ouais. Il y a le petit enfant qui a interviewé dans le livre à un moment, il dit mais si t'es musulmane, mais alors t'es pas libre. Hein. Ah, et ça, c'est une manière, c'est un passage, en fait, pour moi, de... Voilà. De remettre en cause certains clichés. Je ne suis pas voilée, je n'ai pas de burqa, il n'y a pas d'homme à la maison qui m'attend avec un fouet. Enfin, il y a un homme à la maison, mais il n'a pas de fouet. Oui, il n'a pas de fouet, il n'est pas musulman, d'ailleurs. Vous répondez, il n'y a pas plus libre que moi. Oui. Il, y a pas plus... il est juif, hein, ça ? Oh, son père. Fils d'un grand poète, en tout cas. Oui, un grand poète yiddish... qui vit au Sénégal, d'ailleurs. C'est intéressant, cette famille, parce que c'est un peu mélangé, quoi. Il y a de multiples influences, mais c'est vrai que c'est intéressant, ça doit être un joli melting pot culturel à la maison. Comment vous vous en tirez, justement, avec cette histoire de religion par rapport aux droits de l'homme ? Il y a des racines, on peut retrouver des racines, notamment dans cette religion, qui est la religion catholique, oui. Sans doute ailleurs. Oui, il y a des racines. Il y a eu des tiraillements dans l'histoire, bien sûr. Mais... On peut avoir la foi et être un défenseur des droits de l'homme. Il n'y a absolument rien d'incompatible. Ça paraît même plutôt logique, en fait. Oui. Mm. Ah oui. Si on s'en tient à la philosophie de tolérance, d'ouverture, de générosité, normalement, oui, bien sûr. Donc, moi, je ne trouve pas que c'est incompatible. Vous savez, on peut aussi être totalement laïque, athée, et pas du tout être en capacité de croire aux droits de l'homme ou de les défendre. Ce n'est pas le problème. Le problème, c'est ce qu'on est, ce en quoi on croit. Et comment on est déterminé à mettre en œuvre ses croyances. Et moi, je crois qu'en terre laïque, tout est possible. Vous avez cité rapidement le nom de Léopold Sédar Senghor. Mm-hmm. Votre papa travaillait avec lui. Est-ce que c'est quelqu'un qui a marqué votre enfance ou dont vous avez retiré des enseignements en particulier? Est-ce que c'est quand même un grand homme? Léopold Sédar Senghor, c'est à la fois le poète et l'homme politique. Oui, voilà. Il y a cette double casquette. Voilà. Mon père travaillait avec l'homme politique. Et ma mère m'enseignait les poèmes de l'auteur, de l'écrivain. Et c'est vrai qu'il a été président du Sénégal
depuis l'indépendance, c'est-à-dire de 1960 jusqu'à ce que Abdou Diouf prenne la succession, il a marqué les Sénégalais. C'est le père de la nation sénégalaise, en quelque sorte. Et ce qui est intéressant chez lui, et qui rejoint finalement mon histoire à moi, c'est qu'il a eu une histoire française, en tant que député, en tant que tirailleur, en tant qu'académicien. Et il est le symbole finalement de cette amitié franco-sénégalaise qui a su résister au temps, qui a su être douce, non conflictuelle, savoureuse des fois, parce que c'est les lettres qui expliquent cette amitié. Et c'est quelque chose à préserver qui est important. Cette histoire française, qui est aussi votre histoire, parce que votre scolarité, vous l'avez quand même majoritairement faite en France. Quand vous retournez comme ça, du haut de vos 32 ans, sur cette histoire française, elle est quoi? Elle est douloureuse, parce que c'est le moment où vos parents se sont séparés, vous avez eu des soucis aussi pour pouvoir rester en France. C'est douloureux, c'est plutôt sous le signe de la victoire. Enfin, c'est comment dans votre esprit? C'est une épopée. Ah oui, familiale. Quand même. Non mais familiale, c'est-à-dire à notre échelle. Vous savez, c'est quitter un pays qu'on estime être le sien à la base. Où on est né, où on a grandi, où on n'a jamais pensé à le quitter. Vous aviez quel âge quand vous en êtes parti du Sénégal? 9 ans. 9 ans, oui. Et que tout d'un coup, vous partez. Quitter une famille très, très grande, où les grands-parents vivaient à la maison, enfin. Où il y avait les tantes, les cousins, la porte qui s'ouvrait, les boubous, les parfums qui se dégageaient des boubous, les gâteaux, les fêtes, les baptêmes, les mariages, la mer, la plage. Ma petite école catholique, justement, avec les sœurs, ma petite blouse bleue que j'avais à l'école, parce qu'on avait des blouses à l'époque. Et tout d'un coup, quitter cet environnement de joie, de bonheur, d'épanouissement le plus total, d'innocence. Et arrivé un beau matin de juillet 87 à l'aéroport Charles de Gaulle, il se demandait qu'est-ce qui attend, c'est quoi l'avenir. Waouh, c'est une épopée, c'est une petite épopée à nous, hein, notre petite épopée, ça n'a rien d'historique, mais ça vous marque. Parce que vous sentez que vous devez réécrire une histoire et vous ne savez pas comment l'écrire. Où aller. Mais quand c'est comme ça, bah écoutez, je regardais le passé et puis je trouvais la force d'aller de l'avant parce que les choses qu'on m'a apprises de 0 à 9 ans sont des leçons fondatrices, des valeurs. Et ça ne meurt pas. Ce sont des principes que je convoque aujourd'hui même pour affronter la vie. On parlait tout à l'heure de ce que j'avais retenu de mon éducation. Tout ce que je vous ai dit, ça m'a été enseigné là-bas. Et c'est le fil rouge, au fond, d'une histoire qui était un peu heurtée. Voilà. Et finalement, cette intégration en France, réinventer sa vie à 9 ans, ça s'est fait? Oui, on le fait. Au début, c'est difficile, mais après, quand on est un enfant, vous savez, on ne se pose plus de questions. Après, on vit la vie qu'on vous offre. Mmh. Et les enfants sont tous pareils. Les enfants de Colombe, c'était les mêmes que ceux de Dakar. Il y a eu une innocence, une joie, un plaisir. Et puis j'ai eu des professeurs à l'école qui étaient exceptionnels. Vous avez aimé l'école, hein? Ah, j'ai adoré l'école. Vous étiez première de votre classe? Oui, je travaillais beaucoup, hein, parce que je faisais rien d'autre que ça, en fait. Je jouais, je travaillais, je jouais, je travaillais. Il n'y avait pas d'activité à côté? Il n'y a pas eu d'activité extrascolaire, de la musique, du sport, de l'art? Je ne faisais pas de musique parce que c'était trop cher. Il faut payer ces choses-là, vous savez. Alors le sport, j'en faisais parce que c'était moins cher. Et parce que j'adorais ça. Avec une spécialité en sport? Alors, comme j'étais grande, j'adorais le saut en hauteur et le basket. Et le volleyball. Mais je n'avais pas de besoin trop important. Mon but dans la vie, c'était de contenter mes parents. C'était très simple. Mais quand un papa quitte un foyer, d'un seul coup, vous vous retrouvez entre femmes avec vos sœurs, votre maman. C'est à ce moment-là que la figure de votre mère a grandi dans l'importance qu'elle a pris dans votre vie. Parce que vous faites souvent référence à votre maman, très peu à votre papa. Si, mais mon père, c'est un autre type de figure. Mon père, c'est un homme qui était très admiré, apprécié et tout ça dans son travail. Et c'est un homme, du coup, un peu plus distant. Mais pas parce qu'il n'est pas gentil ou quoi, non, mais parce que la fonction veut cette distance.
Ma mère était plus dans la proximité. Pas avec ses filles. Ah, mais on était très dans le respect, vous savez. C'est les cultures. C'est la culture sénégalaise. C'est un peu conservateur, hein. C'est-à-dire qu'on ne saute pas dans les bras de son père comme ça. On se tient, on respecte. Moi, je viens j'ai une éducation très, très conservatrice. On ne se mélange pas avec les garçons n'importe comment. On ne s'enferme pas dans les toilettes avec un garçon. On met la jupe en dessous du genou, pas au-dessus. On n'oublie pas les soquettes. Enfin, j'ai été élevée comme ça. À l'Institut Sainte-Jeanne d'Arc, c'était ça aussi? C'était à Dakar, c'était l'Immaculée Conception. À Colombes, c'était l'Institution Sainte-Jeanne d'Arc. Il n'y avait pas de sœur là. Mais il n'y avait pas de blouse non plus. C'était plus zen. Mais j'aime bien cette éducation qu'on m'a donnée. Mais c'est quand même dans le regard de votre maman que vous avez grandi. Et quand vous avez besoin d'un avis, c'est vers elle que vous allez vous tourner. C'est son avis à elle qui est important. Mais la référence paternelle est importante. Quand même. C'est un diplomate et je me retrouve sur Canada aux affaires étrangères. Et c'est là où je voulais être. Il peut-être un lien. Il a passé sa vie à voyager. Il a passé sa vie à parcourir le monde. Et reproduire un peu la vie de papa, quoi. C'est pas par hasard si je suis là. Le rejoindre dans ce qui lui était cher. Oui, et pour qu'il soit satisfait aussi, c'est important. Parce que les parents, vous savez, ils investissent dans l'enfance. Ils se battent. Pour moi, j'ai des parents qui ont été comme ça, qui se sont battus pour que leurs enfants deviennent des gens. Et moi, j'ai toujours eu l'idée que je leur apporterais, j'essaierais de leur apporter satisfaction à ce niveau-là. Donc j'ai remisé les petites folies que j'avais, du genre être écrivain, poète. Ben pourquoi pas, cela dit, en même temps, vous vous mariez au fils d'un poète célèbre. Oui, finalement, ça finit toujours par arriver. Vous arrivez toujours à... Voilà. mais j'avais un petit peu des envies comme ça, bon... Et puis j'ai fait Sciences Po, parce que maman voulait que je fasse Sciences Po. Parce que après j'allais faire les concours, et puis être dans la fonction publique, l'administration, le service public, l'État. Mais en quoi c'est incompatible avec l'écriture, puisqu'on a cité il y a quelques minutes Léopold Sédar Senghor. Bien sûr. Bon d'accord, on tape haut, mais... Oui, après voilà. Après les mais ça ne vous empêche pas d'écrire. J'ai découvert que ça ne m'empêchait pas d'écrire. Ah voilà. Donc j'étais contente. Mais dans mon trip du début, je voulais aller à l'école normale supérieure et je voulais être une espèce de voyageur écrivain. Ben oui. Oui, finalement, oui, comme vous dites. Non, vous n'avez que 32 ans, on ne sait pas de quoi la vie se passe. Oui, exactement, exactement. Parce que j'aime être dans l'observation du monde pour témoigner. C'est pour ça que j'aime les métiers comme écrivain, journaliste ou avocat. C'est un des trois métiers auxquels j'ai pensé. Un jour dans la vie, et la politique, plus tard. Et finalement, c'est arrivé un peu en sens inverse. J'espère un jour que je pourrai écrire. Mais j'écris, je continue à écrire. Mais écrire vraiment, c'est-à-dire inventer. Et ne pas être dans un ouvrage pédagogique sur les droits de l'homme, qui est complètement dans votre lignée, finalement, encore politique. Oui. Être plutôt dans le roman, vous voulez dire. Roman, la poésie. J'ai écrit plein de choses, hein. Je ne les ai pas publiées, c'est tout. Il y a quand même eu un livre, il y a quoi, 2 ans, Noir de France. Oui, c'est mon deuxième livre. Celui-là, en fait, c'est Les droits de l'homme expliqués aux enfants, c'est le deuxième. Qu'est-ce que vous aviez voulu, avec Noir de France, expliquer aux Français? En tout cas, ceux qui ont lu le livre. C'était un livre de début, parce que, évidemment, quand je m'engage en politique à l'époque, et surtout à droite... Quelle était votre sensibilité première? Je n'avais pas de sensibilité particulière parce que de toute façon, j'estimais que tous ces hommes politiques sont tous pareils, ils disent tous la même chose. Et puis, ils se sont tous succédés, ils ont tous échoué. Donc, c'était comme ça à l'époque. Donc, je n'étais ni de gauche ni de droite. J'observais tout ça de très loin. Mais j'étais passionnée par la politique. Et il fallait un déclic pour franchir le pas. Et ça a été Nicolas Sarkozy. J'ai écrit ce livre pourquoi? Parce que moi, je m'engage à droite. C'est incompréhensible pour beaucoup de gens. Il fallait que j'explique que cet engagement-là ne valait pas reniement d'origine. Mais en même temps que je ne suis pas... je ne veux pas être tyrannisée par les origines. Je veux quand même être libre de choisir. Vous pouvez choisir d'être à gauche ou à droite. Personne ne vous demandera de vous justifier. Moi, on me dira, mais comment ça se fait? T'as eu des problèmes? Ou on t'a payé? Ou t'avais plus de boulot? C'est étonnant. Parce que vous êtes sénégalaise, parce que vous êtes de carnation noire. Je vous rappelle qu'à l'époque, 2005,
quand je m'engage, c'est au moment de la crise des banlieues. Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur, il y a des polémiques autour de termes comme racaille, tout ça. C'est dur. Mais je me suis dit, c'est lui qu'il faut pour la France. Et ça sera dur pour moi de faire une campagne pour cet homme-là dans ces conditions-là. Mais j'ai une conviction, une intime conviction, et j'irai au bout. J'irai au bout. Parce que je pense que ce pays-là a besoin de Nicolas Sarkozy comme président de la République. Dans ce deuxième livre, donc, Les droits de l'homme expliqués aux enfants, vous racontez un épisode qui vous est arrivé en première, quand vous passiez un bac blanc et qu'on vous demande vos papiers, et d'un seul coup, les papiers sont périmés, et vous ne vous en étiez pas rendu compte. Et vous sortez honteuse, parce qu'on vous empêche de passer ce bac blanc, si j'ai bien compris. C'est quand même un épisode qui est un peu traumatisant quand on a 16 ans, non? Alors, j'avais 18 ans. 16, 17, enfin, 18 ans. C'était le bac blanc, 17 ans, 17 ans. 17 ans, voilà. C'était le bac blanc. Oui, à ce moment-là, je comprends que il y a un souci. Quand on est obligé de faire le siège d'une préfecture ou d'une mairie aussi pour être aidé, enfin c'est... Ouais, c'était un peu dur, parce que le temps se suspend et là, vous dites... Donc là, on me demande de rentrer. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? En quoi je suis coupable? Voilà, je travaille bien à l'école. Je passe des concours, j'ai rien fait de mal et je me sentais coupable. Tout d'un coup, ce pays que j'avais adopté, qui était devenu le mien, me prie de partir. C'est l'incompréhension. Mais pour moi, bon, je me suis dit, si je dois repartir, je partirai. Mais je me suis dit, oh là là, la famille, tout ça, ils s'inquiètent, ils sont pas bien. Et au fond, après, on s'est débrouillé. C'est-à-dire que j'ai eu des profs exceptionnels qui sont mobilisés pour m'aider. Et ça s'est réglé. Ah ça, hein. Mais c'est pour ça que je suis allée à Aubervilliers. Pour soutenir les squatteurs. Si vous êtes reconnue dans cette situation, ouais. De personnes juste sur la limite, quoi. Les droits de l'homme, c'est indivisible. Je ne peux pas aller prêcher les droits de l'homme chez les Tibétains et puis chez les Congolais. Si en bas de chez nous, c'est comme ça. Oui, mais en même temps, vous n'avez pas d'action en France. Enfin, vous n'êtes pas censé en avoir. Non, je ne suis pas censé en avoir. Ce n'est pas les droits de l'homme en France, c'est les droits de l'homme dans le monde. Exactement. Sauf la France. C'est un peu délicat. Je suis rattachée au Quai d'Orsay. Oui. Donc, politique étrangère. Donc, affaires étrangères. Voilà, c'est ça. Pour s'occuper de la France, il lui fallu que je sois rattachée au Premier ministre. Comme c'était le cas en 1986 avec Claude Malhuret. Qui en a bavé des ronds de chapeau. Et oui. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on a fait le choix présent. Et donc, moi, je suis en charge de questions internationales. Mais je suis interpellée sur la situation des prisons. Je suis interpellée sur les sans-papiers et les centres de rétention. Je suis interpellée sur beaucoup de leur handicap, sur beaucoup de sujets comme ça. Qu'est-ce que je réponds? Alors, j'ai toujours répondu, jusqu'à peu, j'ai toujours répondu, je suis en charge de questions internationales. Mais ça ne satisfait personne. Et les gens n'ont raison de ne pas être satisfaits de cette réponse. Parce que les droits de l'homme sont indivisibles. Parce que nous avons besoin aussi de nous préoccuper de la situation ici, si on veut être crédible à l'étranger, en matière de droits de l'homme. Et alors, je ne peux pas me contenter de dire « j'appellerai Rachida Dati pour les prisons, j'appellerai Christine Boutin pour le logement ». Alors je le fais. Et puis des fois, je me suis permise effectivement une petite transgression ici ou là, mais qui était symbolique en fait. Au fond, c'était une manière de dire « les droits de l'homme sont indivisibles ». Pour ça que je suis allée à Aubervilliers. C'est pour ça que je suis intervenue sur le fichier Edwige. C'est pour ça que je suis intervenue sur les questions de logement. Parce que c'est obligé. Alors évidemment, ça me vaut des convocations à chaque fois, hein, tout ça. Ouais, mais bon. Et comment vous vivez votre rapport à une notoriété qui a été quand même assez soudaine, où d'un seul coup, les femmes du gouvernement ont été mises en lumière, vous particulièrement? Est-ce que c'est quelque chose de compliqué à gérer ou finalement c'est assez naturel et tout va bien, merci? Disons que je l'ai géré intuitivement. C'est-à-dire, d'abord j'ai vu le danger. J'ai vu le danger dès le départ. Quel était ce danger? La surexposition médiatique immédiate. Vous venez d'arriver, vous êtes nommé au gouvernement. Vous n'avez rien fait. Vous n'avez encore rien fait, que déjà... On vous prépare des portraits, des unes de journaux, on vous consacre des émissions. Heureusement, le président de la République à l'époque m'a dit ça, faut pas faire. Tu vas au Quai d'Orsay, tu t'installes, tu formes ton cabinet,
Tu rencontres les directeurs du Quai d'Orsay, tu rencontres les ONG, tu travailles pendant 4 mois. Je veux pas te voir. Pas dans une télé, pas dans un magazine, rien. Effectivement, c'était le meilleur service qu'ils pouvaient me rendre en me disant ça, parce que je me suis mise à travailler et à ne faire que ça, sans être polluée par des interventions médiatiques ici ou là. Et ça m'a donné une discipline pour la suite, qui fait qu'après, par la suite, je me suis toujours attachée à ne parler que de ce que je fais. Et que même si je suis obligée de parler de moi, parce qu'il faut bien que les gens sachent qui je suis, c'est toujours pour revenir sur les droits de l'homme. Quand j'écris un livre sur les droits de l'homme, c'est pas ma vie, mon œuvre. Vous voyez, je veux coller à ma fonction le plus possible, parce que les Français, ils nous ont pas mis là pour qu'on fasse la fête, pour qu'on cède à des facilités. Le pouvoir, il y a une part de sacerdoce là-dedans. Il y a une part de sacrifice. Et on est là pour être dans le service des Français et pas autre chose. Pourquoi il est important le bracelet que vous portez au poignet droit? Je vous ai demandé d'apporter un objet, vous n'êtes pas allé chercher forcément très loin parce que vous le portez en permanence sur vous. Exactement. Qu'est-ce qu'il a ce bracelet de tellement important? Et ben, quand je quitte le Sénégal. En argent? Oui, en argent. En argent, ouais. Quand je quitte le Sénégal en 1987, je laisse là-bas mes grands-parents et une de mes grands-mères m'a offert ce bracelet. Donc c'est l'histoire que j'ai laissée derrière moi. Donc ça, j'oublie jamais. C'est ce que vous allez chercher discrètement pendant une négociation ou que sais-je? Exactement. Pour toucher, pour retrouver de la force éventuellement ou... Vous savez, le proverbe touareg dont j'ai parlé, qui consiste à dire quand on ne sait pas où l'on va, il faut regarder d'où l'on vient, c'est très important pour moi. Donc voilà, oui, je regarde ce bracelet, je vois le passé, je vois les valeurs, les principes qu'on m'a inculqués. Je trouve là-dedans d'énergie, de la force, pour être fidèle à moi-même. Vous lui diriez quoi, la petite Rama du Sénégal, si vous pouviez la croiser aujourd'hui? Oh, elle était timide. Hein. Alors vous, aujourd'hui, qui avez un certain parcours, vous auriez envie de lui dire quoi pour je sais pas, l'aider à avancer, cette petite fille? Qu'est-ce que je lui dirais? Elle avait peur de la vie, hein. Toujours un peu. Mais je dirais qu'il ne faut pas avoir peur. Vous savez, enfin, c'est peut-être pour ça que je fais de la politique. C'est pour sortir de moi-même. Mais qu'est-ce qui vous fait peur, au juste? Le monde est violent. Mmh. Le monde est violent. Le contact avec autrui vous change, même si vous ne le voulez pas. Et donc, on a par instinct un besoin de se protéger de l'autre, du monde. Alors qu'au contraire, il faut y aller. Je fais de la politique parce que je vais vers les gens, parce que je leur parle, parce que je m'imprègne d'eux, parce que je m'ouvre. Et il n'y a rien de tel quand on veut rester humain, quoi. C'est se faire un peu violence à votre caractère naturel qui serait, oui, plus vers l'enfermement, mmh, le repli sur soi. Oui. Vous aurez des enfants un jour? Peut-être. C'est une envie ou pas? C'est privé. Quand il y en aura, qu'est-ce que vous auriez envie de leur... Qu'est-ce que vous avez déjà compris de la vie que vous voudriez leur transmettre? J'ai tout à apprendre encore de la vie. À ces enfants-là, ouais. J'ai tout à apprendre. C'est ce qui est intéressant dans la vie, c'est que c'est... On ne sait jamais... Moi, je ne suis pas capable de vous dire l'année prochaine ce que je vais faire, où je serai. J'en sais rien. Je me laisse guider comme ça. Et je fais en fonction de mes capacités, mais je donne toujours le meilleur de moi-même, pour ne pas avoir de regrets. Vous vous faites confiance. Quand Nicolas Sarkozy est venu vous chercher pour ce poste-là, vous vous êtes dit, je crois que je vais pouvoir le faire. Ah non, 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 je ne me dis pas du tout ça. Je me dis, ça va être dur. Mais il va falloir se battre. Il faut y arriver, tu n'as pas le choix. Pas le droit à l'échec. Pas le droit à l'échec. C'est ce que je me dis. Donc je me dis, je donnerai tout. C'est pas très quantifiable quand même, le poste que vous avez. Enfin, on peut voir une avancée dans tel pays ou sur tel combat, l'adoption par exemple. Si, c'est quantifiable, l'adoption, mais... plus 3%, alors que depuis 2 ans, ouais, moins 20%. Les interventions individuelles pour répondre à ce qui nous appelle au secours dans le monde, 2900 en 18 mois. 80 déplacements dans le monde. Des initiatives aussi qui sont portées aux Nations Unies et puis au sein de l'Union Européenne. C'est quantifiable. On s'était forcé à quantifier par rapport à ceux qui disent à quoi ça sert, à quoi vous servez. Croyez-moi, j'ai quantifié. Parce que c'est important. Et au-delà de la... Bon, des questions de quantifier ou non, c'est vrai que c'est un ministère où on vous juge à l'aune du courage ou de la lâcheté. Vous parlez, vous êtes courageux. Vous ne parlez pas, vous êtes lâche. C'est terrible. Or, c'est pas forcément que ça.
Des fois, je ne parle pas. Non pas parce que je suis lâche, mais parce que j'ai intérêt à ne pas parler. Si je veux aider quelqu'un, je suis obligée d'être discrète. Parce que si je parle, ou je m'expose, ou je braque le pays, ou un avocat, un journaliste est en prison et qu'on veut le libérer, bah, il va encore y rester dans sa prison pendant longtemps. Par contre, si je travaille discrètement, mais efficacement, mais j'ai des chances de libérer ces personnes. Vous voyez ? Donc, il y a de la morale, mais il y a aussi beaucoup de stratégie. Parce que, quand même, le but, c'est d'être efficace. C'est pas de parler pour parler, c'est d'obtenir des résultats. Dernière question de cette émission. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Ramayane, à court terme, à moyen terme et à long terme ? Une question, trois réponses. Eh bien, je donnerais une réponse, d'être heureuse et en bonne santé. C'est important. Je vous le souhaite de tout cœur. Merci infiniment d'être venu nous voir. Au revoir.